Grosse différence de produit. Vous essayez de casque, hein, je vous dis. Celui-là. Celui-là. Attends. Mais ça joue la tête. On ne veut pas y shooter avec. Pardon, pardon. À l'époque de la noblesse. Voilà. Mais ils ne savent pas de quel blason il s'agissait. Voilà. On imagine qu'il y en avait. Et la chose qui reste dans cette pièce, c'est ce jeu en bois ancien. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Un hippoglouton. Un hippoglouton, ouais, c'est avec le riz, exact. Ouais. Donc, je me permets. Donc, c'est l'ancêtre du billard. C'est un billard Nicolas. Donc le principe, on peut jouer à 6. Donc ça, ce n'est pas d'époque, hein. Ça a été racheté, bien sûr. Et le but, c'était d'envoyer la boule dans le trou des autres. J'y arrive une fois sur deux, et cette fois, elle n'est pas la bonne. On ne sait jamais si quelqu'un utilise les latrines. Donc on va pouvoir aller les voir dans la pièce qui est là-bas. Donc, c'est une partie de la tour, donc n'est pas pour une fois un KGB. Et quand vous rentrerez, vous verrez une dalle par terre en bois à gauche. Tu viens voir, hein? Oui. Là, on retrouve les deux petites portes comme dans les parties intérieures où il y a aussi du bazar. C'est le même principe. Il y a une cheminée qui a été complètement réduite, qui n'est pas d'époque, question particulière. On va juste passer devant vous pour être sûr qu'aucun groupe ne monte. On ne peut pas se croiser. Dans cette salle, on trouve une cheminée du XVIe siècle qui a été réduite au XVIIIe siècle avec l'ajout de ces deux pierres. Fait qu'elle a été un petit peu rétrécie et il a été rajouté plus tard, bien sûr, une hotte. On voit bien qu'elle est récente, hein, elle n'est pas d'époque. On retrouve nos grosses poutres centrales avec nos pierres corbeaux là-bas, de chaque côté. Et suspendu le lustre qu'on a vu là-haut, c'est le même artisan dans un autre style qui l'a fabriqué donc à l'époque. On retrouve derrière vous ici une véritable tapisserie d'Aubusson. Elle est d'ailleurs signée en bas à gauche. Elle serait du 19e siècle. Elle n'a pas été expertisée. Elle s'appelle La Verdure. Et comme son nom l'indique, il y a beaucoup de vert. Et elle est plutôt avec des plantes exotiques. À gauche, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un cèdre argenté. Donc, c'est deux arbres centenaires qui sont classés.